Gilles. Salut Manu, tu vas bien? Ouais, bienvenue sur le stand Fuji à Vegas. Ça va bien, ouais. Et toi? Très bien, c'est toujours un plaisir de te recevoir chez nous. Bah, écoute, c'est toujours un plaisir de venir. Voilà, pour moi. T'as toujours la banane, t'as toujours. Voilà, bon. Alors, dis-nous, cette année, il n'y a pas de grosses nouveautés. Non. Mais tu voulais qu'on parle un petit peu de ces gros joujoux. Absolument. Alors, c'est vrai que l'année dernière, au NAB, on avait présenté les petits MK montureux, le 1855 et le 50-135, produits qui a bien plu. Et sur la gamme cinéma aussi, on en monture pelle, on a nos fameux cabrios, donc maintenant qui sont très, très, très utilisés et très appréciés sur notre marché français. Et puis on a cette gamme, la gamme chez nous, la gamme premier, qui est un peu moins connue, qui est un peu plus haut de gamme, on va dire, sur laquelle on a 4 zooms. Donc on a un grand angle, qui est un 14,5-45, couvre à 2 en constant. On a celui-ci, qui est un 18-85, qui est également couvre à 2 en constant. Ce sont des produits qui sont déjà chez nous, qui sont chez nous depuis déjà quelques années, qui sont utilisés par les loueurs et par les prods. Et puis sur cette gamme-là, on a aussi un 24-180, alors lui qui ouvre à 2,6 en constant. Voilà, ce sont quand même des performances un petit peu sympathiques. Et puis on a un 75-400, alors lui forcément il a un petit peu de ramping, donc il ouvre à 2,8 jusqu'à 290, et à partir de 290 il ouvre à 3,8. Voilà. D'accord. Et est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quand Fuji se lance de tels produits, de telles optiques, c'est quoi le cahier des charges? Quels sont les objectifs à atteindre? Alors, pour vous, ce produit en fait a été développé, c'est la première gamme en monture PL qui a été introduite par Fuji il y a quelques années, donc c'est pas un nouveau produit, moins connu parce qu'on est quand même sur des produits qui sont assez onéreux. Donc c'est un produit qui a été développé il y a je dirais 5-6 ans, et on a voulu arriver sur ce marché du cinéma avec de la monture PL sur du très très haut de gamme pour montrer notre savoir-faire. Voilà. Et à partir de ce moment-là, une fois qu'on a montré ce qu'on était capable de faire, eh ben, on a décliné d'autres produits sur des produits un peu plus compacts. Voilà. Mais on est vraiment arrivé sur ce marché avec du très haut de gamme. Après, il ne faut pas non plus oublier que la deuxième gamme qui a été introduite sur le marché, c'est la gamme des Alura, qui sont vendus par Harry. C'est quand même aussi ça a été un vrai succès, ces produits. D'accord. Donc les particularités, je ne sais pas, qu'est-ce que par exemple tu vois, tu peux nous dire au niveau. Au niveau mécanique, au niveau optique, vous fixez des objectifs particuliers ou pas? Bah, on travaille énormément sur le contraste, on travaille énormément sur la distorsion. Alors c'est vrai que c'est un petit peu paradoxal, c'est pour voir la qualité d'une optique, on constate les défauts, donc moins il y a de défauts, meilleure l'optique est. Voilà. Et c'est vrai que sur cette gamme-là, en fait, le 18-85, il y a un très très bon contraste, pardon. Et puis il y a en termes de distorsion, il n'y a quasiment aucune distorsion. J'ai une question pour toi, il y a un énorme retour de l'anamorphique. Est-ce qu'il y a des choses dans les tuyaux chez Fuji? Pas à ma connaissance. Pas à ta Je pense connaissance. Que le marché. Après voilà, je ne suis pas dans les bureaux d'études au Japon. Je pense que le marché de l'anamorphique est un marché qui est pas. Voilà, qui est important, mais voilà. Et je ne suis pas sûr que Fuji souhaite aller sur ce marché. Maintenant, on n'est pas à l'abri qu'au NAB 2019, on ait de l'anamorphique. Je pense qu'au NAB 2019, on aura d'autres produits qui vont arriver. Voilà. Okay. C'est, aujourd'hui, si on parle un petit peu de Fuji, y a le stand il est énorme. Donc vous avez des domaines d'application à la fois dans la télévision, dans l'aspect broadcast. Alors voilà, le métier de Thomas, là, au départ, Fuji, les optiques, c'était des optiques pour la télévision. Donc aujourd'hui, le marché de la télévision, on a développé et on commercialise maintenant depuis quelques années des produits en 2/3 de pouce 4K, voilà, qui est le métier de base des optiques Fuji. On a commencé par la télévision. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on a toujours la gamme HD. Voilà. Alors, on n'a pas de nouveaux produits en HD. Je ne suis pas sûr qu'on en ait à un moment ou un autre maintenant des nouveaux produits. Et tous les nouveaux produits qu'on a, ce ne sont que des produits
en 2 tiers de pouce 4K. Donc on a des produits en ONG, on a un grand angle, on a un 22 fois, un 24 fois, on a un 27 fois de studio également, et après on a des longues focales pour faire du sport principalement, on a un 80 fois et un 107 fois. Aujourd'hui le 107 fois c'est un petit peu l'optique de référence sur le marché du sport. Il y avait énormément de 107 fois sur les derniers Jeux Olympiques. Ok. Bon, ben voilà, donc optique cinéma, optique vidéo broadcast, et après il y a toute la gamme des appareils photo et des optiques photo aussi. Alors, toute la gamme des appareils photo, alors je ne suis pas le spécialiste de la gamme appareils photo, après chez nous tu connais bien les gens, donc si tu veux avoir plus d'infos, t'hésites pas, tu es en contact permanent avec nous. Super, merci beaucoup.